rigor, strength, perseverance, determination, integrity, sustainability, diversity, openness, collaboration, contribution, culture, digitalization, entrepreneurship, innovation, leadership, pioneers. The future is colorful. The future is yours. Chers diplômés, chères familles, chers amis, Madame la doyenne de la faculté HEC Lausanne, chers professeurs et membres du personnel HEC Lausanne, à vous toutes et tous qui êtes présentes et présents ici dans cet auditoire, à celles et ceux qui nous suivent en ligne, bienvenue. Bienvenue à la cérémonie des diplômes de Bachelor 2022 d'HEC Lausanne. Je m'appelle Zelda Chauvet. Je suis extrêmement honorée de présenter cette célébration. Parce que oui, il s'agit d'une célébration, que nous voulons joyeuse, enthousiaste, vivante, à l'image de votre futur, à l'image de votre avenir. Et pour imaginer ce à quoi ressemblerait votre avenir, votre futur, j'invite la doyenne de la faculté à me rejoindre sur scène, Marianne Schmidmast. Bienvenue à tous et à toutes. C'est quand même une journée spéciale. Vous l'avez fait. Vous êtes maintenant diplômée de HEC Lausanne avec un bachelor. Quelle joie! Félicitations. J'espère que vous êtes fiers de vous. En tout cas, nous, à HEC Lausanne, nous sommes très fiers de vous tous et toutes. J'ai un message très simple aujourd'hui pour cette cérémonie et pour votre futur, pour vous. The future is colorful, the future is yours. Moi, j'adore peindre. Quand j'ai du temps libre, et croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup comme doyenne de HEC, j'adore peindre. Quand vous commencez la peinture, je suis sûre que vous avez appris ça déjà à l'école, il vous suffit finalement de trois couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge. Et à partir de ces trois couleurs, vous arrivez à créer n'importe quelle couleur. N'importe quelle couleur qui fait un tableau impressionniste ou un portrait magnifique. Tout ce qu'il vous faut, c'est ces couleurs de base. The future is colorful, the future is yours. Comment HEC Lausanne contribue à ça? On vous donne les couleurs. Les couleurs qui sont les matières de base. Vous avez eu les statistiques, les mathématiques, l'économie, les finances, la comptabilité, le management, donc toutes ces branches de base, c'est comme les couleurs et c'est maintenant à vous de les mélanger à nouveau pour créer votre propre future carrière. Mais on ne vous a pas simplement donné que les couleurs. On vous a aussi donné les pinceaux et une manière d'appliquer les couleurs. Vous avez travaillé dans des groupes, vous avez rendu des études de cas, vous avez réussi des projets. Donc, dans tout ça, vous avez utilisé les connaissances et les compétences de base, vous les avez recombinées, vous les avez appliquées. Donc, ce que vous avez aujourd'hui avec votre diplôme de bachelor, c'est les couleurs, c'est les pinceaux et c'est une manière de faire. Et maintenant, c'est à vous de créer, de colorer votre futur. The future is colorful,
The future is yours. Il y a une dernière question que je vais vous poser. Quelle est la couleur de votre futur? Laissez le ciel être la limite. Félicitations. Merci Marianne, merci. Oui, les perspectives sont extrêmement réjouissantes. Et ce qui suit aussi, et c'est pour ça que j'ai besoin de toute votre attention avant que les festivités ne commencent, parce que nous sommes assez organisés. On se rend compte que votre succès aussi, ou la mesure de votre succès, repose sur la réussite de votre passage sur scène, derrière nous. Vous allez être appelés par groupe à monter sur la scène à droite et à gauche, groupe après groupe. Vous allez avancer ici, derrière nous, vous positionner au niveau des différentes marques sur le sol, et lorsque j'appellerai votre nom, qui s'affichera également derrière moi sur les écrans, vous avancerez, vous saluerez votre professeur qui montera dans un instant, votre doyenne, puis, et on peut allumer le catwalk, voilà. Voilà ce qui vous attend. Vous pourrez avancer, saluer votre public et non pas faire un défilé. On vous souhaite d'être créatif quand même sur les quelques mètres qui vous séparent de votre siège et de votre libération. De descendre les escaliers devant la scène et rejoindre votre place. À noter qu'on vous remettra un document à l'entrée sur scène. Il ne s'agit pas de votre diplôme officiel. Il s'agit d'un certificat symbolique. Parce que pour nous, c'est important aussi de marquer cette célébration et ce jour de fête. Cher professeur, vous l'aurez compris, vous serez aussi appelés à monter sur scène, certaines et certains d'entre vous. C'est assez simple, lorsque je vous appelle, vous rejoignez votre doyenne et puis vous participerez à saluer le passage des diplômés. Lorsque tous les diplômés auront fait leur chemin le long de la scène, je vous remercierai et vous pourrez aller vous asseoir. Alors je sais que dit comme ça, ça peut paraître extrêmement compliqué, mais n'ayez crainte, je suis certaine que tout se passera très bien, c'est après tout un jour de fête aujourd'hui. Marianne, est-ce que vous êtes prête? On est prêt. Allons-y. Donc, nous commençons tout de suite avec le programme de bachelor en management. Première partie, puisqu'il y aura deux parties. Pour accompagner Marianne, dans la salutation et l'honneur finalement aux diplômés de ce premier passage en management, j'appelle professeur Solange Garnaouti. Parce que tout ce que j'ai dit tout à l'heure était en théorie, je vous propose de vous montrer comment nous allons faire et nous allons procéder avec le premier groupe qui va s'avancer derrière nous. Vous pouvez vous avancer. Merci beaucoup. Voilà. Et une fois que vous êtes tous et toutes installés, je vous propose, et sentez-vous libre d'applaudir vos collègues diplômés. Je vais les appeler les unes et les uns après les autres. À commencer par toutes nos félicitations à l'usine Abad Perdigao, qui n'est pas là. On la salue quand même et on la félicite. Hassan Ahmetovic. Félicitations. Je vous en prie. Ryan Haït Sliman. Félicitations. Mohamed Ajmi. Adriane Ajvazi. Catherine Albaou. Clotilde Albert. Hassan Alic. Myriam Alani. Ouais.
et Daniel Almeida Posas. Bravo. Et voici pour le premier groupe. Donc vous l'aurez compris, nous enchaînons. Toutes nos félicitations à Sara Alves Ferreira, qui n'est pas là. Meva Adriama Sinoro. Arnaud Aquin Demierre. Liam Auderset. Harold Audouin. Bruno Bachmann. Delia Baiki. Artemi Balabanov. Thibaut Baretsky et Antonin Baril. Bravo! Nous poursuivons avec le troisième groupe de diplômés de bachelor en management avec Dulgun Bat-Bileg. Meryl Yasmine Beder. Clara Beicht. Lara Belli. Félicie Bernard. François Berthaud. Adrien Berthaud. Lydia Berthollet. David Besson. Et Éléonore Besson. Vous l'aurez compris, nous applaudissons aussi les absentes et les absents. C'est important. Nous poursuivons. Félicitations à Florian Bingeli. Alexander Blagojevich. Grégoire Bogadi. Adlan Boitier. Yona Ball. Angelo Borges Alves. Mathis Brulart. Grégoire Buller. Sophie Burus. Et Joël Callot. Félicitations. Nous poursuivons avec cette première partie de diplômés en management avec les félicitations à Mélodie Caron. Sunny Kay. Yanis Serre. Antoine Chardonnance. Thibaut Chardonnance. Raphaël Charpier. Benjamin Charba. Jenna Connu. Carla Cordon.
et Yves Cornat. Alors, on a un diplômé perdu. Bonjour. Alors, vous pouvez avancer. Oui. On va, vous, quel est votre nom? Théo Ferrini. Ouais, je suis dans le groupe 9, je crois, en fait. Alors, on va faire un grand bravo à Théo Ferrini qui va passer. Bravo. Je vous en prie. Félicitations. A priori, de toute façon, vous êtes diplômé et c'est ça l'essentiel, je pense, aujourd'hui. Nous poursuivons avec Gilles Crozat. Romain Creton. Marika Cusanelli. Tarek Dabour. Benjamin D'Alessandri. Kevin Dang. Johannes Rudolf David. Tiffany Davis. Mariam Davis. Et Julien Dayer. Félicitations. Bienvenue au prochain diplômé. Et nous commençons avec Ève de la Chapelle. Léonard de Levrano. Rui de Oliveira Fernandez. Alec de Ram. Alan Deli. Joël Delpini. Yanis Denerea. Louis Deschanel. Simon Despont. Et Olivier Dean. Bravo, félicitations. David Donat. Julien Donzel. Toujours pas. Assia Driss, peut-être. Ah, félicitations. Wassim Elmay. Juliette Emery. Tim Empen. Léon Eversham. Zoeb Fali. Ahmed Farhat. Kylian Faucher. Et Mathilde Favre. Félicitations. En attendant que le prochain groupe s'installe, Marianne, qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces gradués, ces diplômés passer? Chaud au cœur, je suis trop fière. Je les vois dans la salle de classe, après je les vois dans la cafétéria, aujourd'hui ici, et puis normalement c'est pas encore la fin, parce que vous allez apprendre que vous êtes des alumni de HEC, mais sur ça un peu plus tard. Plus tard, à la fin de la cérémonie, effectivement, nous parlerons de la question des alumni. On poursuit avec Raphaël Ferreira.
Félicitations. Alors, je pense que le prochain est déjà venu, donc Théo Ferrini, que je nomme officiellement cette fois-ci. Félicitations. Elsa Finkelstein. Issé Flutiger. Mathieu Fleury. Henri François Poncet. Nadine Gallegos. Simone Garabelli. Charline Gardavo et Arnaud Gasser, qui de toute évidence ne sont pas là, mais on les félicite quand même. Nous poursuivons avec Alicia Gaudin. Elia Giacomini. William Gilles. Mathias Giraud. Alex Glavieux. Joao Gomez Oliveira. Léa Gontard. Edgar Gouveia Pessoa. Eric Gua. Et Camille Graff. Nous accueillons à présent l'avant-dernier groupe de cette première partie de diplômés de bachelor en management, avec les félicitations pour Manon Gressard. Laurane Grua. Frédéric Guerra. Maxime Guichou. Amina Guislain. Adrien Gumuchian. Victoria Eni. Alexia Essler. Soraya Ellen. Et Thomas Alter. Félicitations. Bravo. Et nous arrivons au dernier groupe de cette première partie avec Philippe Eni, qui est absent aujourd'hui. Donc nous poursuivons avec Mounir Hassen. Gabriel Hayek. Demian Hervéjan. Michael Aubèche. Katwe Kwan Un. Anna Ivantenko. Axel Jamin. Ali-Jean Javadi. Et Alan Djouri. Un énorme tournée d'applaudissements pour cette première partie d'étudiants diplômés. Bravo, bravo. Je remercie professeur Garnaouti d'avoir été avec nous, d'avoir honoré les diplômés. Et avant de poursuivre la nomination des diplômés, je vous propose tout de suite de voyager un peu en musique avec les excellents Alberto Malo et Christophe Calpini.
faut le faire, comme on dit. Et pour cela, il faut être très vite. Le fromage à l'huître, la banque de l'instant. Car mes affaires sont bien d'argent. On tient ici le Suisse pour un homme adressé qui veut sous l'état. Le fromage a des trous, la banque de Nassau. On pense donc ici que les Suisses sont quelque chose comme des spécialistes. Il faut le faire. Et pour cela, il faut être prêt. Car les affaires sont les affaires. On tient ici le Suisse pour un homme avisé, un sou et un sou. Le souci du Suisse ne pas également à ses mêmes. Alberto Malo et Christophe Calpini, on peut les applaudir. Merci, messieurs, vous allez nous honorer de vos performances et de votre présence tout au long de cette cérémonie. On se réjouit d'entendre la suite, mais il est temps de replonger dans le vif du sujet, puisque nous allons poursuivre la liste et finalement le passage sur scène des différents diplômés en bachelor de management. Pour nous accompagner dans le processus, surtout pour vous accompagner, Marianne, dans le processus, j'invite le professeur João Montes à nous rejoindre sur scène. Mais alors, quel succès, professeur! Ça fait plaisir, effectivement, d'avoir une telle hola. Eh bien, nous attendons le premier groupe, comme pour la précédente liste. Nous allons faire venir le premier groupe derrière nous et procéder au passage de chacune et de chacun. Comme vous allez le voir, il en manque certains, mais nous allons continuer à les applaudir néanmoins. Félicitations à Celso Jorge Sebastião, Tristan Joriot, Samy Jouard, Maxime Kaiser, Damien Kessler, Seri Mako, Maxime Kipper, Stergios Constantinidis, Marius Kuhl et Nicolas Kudelski. Nous poursuivons avec le prochain groupe, William Kunan. Bravo. Ina Kwe. Alexandre Lachat, Mathieu Lagacé, Alex Lagrange, Maxime Lavoué,
Alexandre Letalec. Alexander Lieden. Gaspard Lobo. Et Daniel Lopez-Lopez. Félicitations. Et nous félicitations également à la prochaine sur la liste, Sarah Luca. Émilie Magnien. Nathalie Malinova. Anaëlle Mamie. Damien Mann. Guillaume Marietan. Philippine Martin-Bourris. Gabrielle Martinelli. Ethan Martinez. Et Guillaume Masson. Félicitations. Nous poursuivons donc avec les diplômés de bachelor en management. Et bravo à, premier sur la liste, Kerianne Mathez. Loïc Matisse. Samy Maurer. Marc Mélan. Sarah Michaud. Saverio Mikienzi Roveder. Siméon Mijotte. Melissa Migliaccio. Andrea Miladinov. Fanette Mita. Et Pierre Monari. Félicitations. Le temps que le prochain groupe s'installe, nous allons applaudir Margot Monnier. Félicitations. Lara Moore. Ryan Mounir. Valentin Mudry. Paul Nguyen. Adrien Noss. Mirkan Horde. Adrien Ortega Delannoy. Kylian Pacani. Et Virgile Page. Félicitations à toutes et tous. Nous poursuivons avec Roméo Panicki. Fabrice Pantillon. Annika Peseva. Hugo Penta. Sam Persou. Melvin Petraka. Céline Fan. Mathieu Pingeli. Adrien Pola.
et Simon Porchet qui est absent aujourd'hui. Félicitations. Martina Créchy. Shannon Reynaud. Sacha Rankati Pechanska Matos. Damien Ray. Lohan Rocher. Victorien Robondi. Laetitia Rogo. Christophe Rossier. Niels Rotacher. Et Dimitri Roulin. Nous poursuivons et passons au prochain groupe de diplômés. Toutes nos félicitations à Martin Ruffieux, toutes mes excuses. Ah bah qui n'est pas là. Nicolo Ruggiero. Romain Rumbo. Théo Sab. Mohamed Saddam. Rim Saïda. Nora Sakone. Hugo Salerno. Samuel Salgado. Et Mathieu Sanchez. Félicitations à elle et à eux. C'est une grande volée. Nous poursuivons avec nos félicitations à Yana Sapoznikova. Sarai Sarikaya. David Sarlin. Dijana Savic. Alix Schmutz. Michael Schranz. Marc-Antoine Siegwart. Laurent Siero. Valentin Siguen. Et Margot Simondetto. Félicitations. À présent, pour les diplômés en management, je félicite Luca Singarella, Saranga Sivanesvaran, Charlotte Soulier-Farbach, Johan Steyes, Grégoire Steinmann, Monica Stojanovic, Colombe Stouff, Anna Tavares da Silva, Chloé Terrasson. Épisez vos les actes. Félicitations.
Félicitations également à Ismaël Toufik. Feta Taki. Lisa Thévenet. Suvarnan Tourai Raja. Kim Tangli. Marine Udriot. Clément Udry. Kylian Ulchi. Corentin Uldry. Et Lily Hunel. Nous arrivons à l'avant-dernier groupe des diplômés de bachelor en management avec Pierre Van Hertum, David Varanda Pimentel, Andrei Vasilescu, Jonas Verest, Axel Verolen, Pierre Vernet, Thomas Vidalanc, Émilie Vigneron, Laura Viserias et Juliette Vuidibille. Félicitations. Et comme on dit en anglais, last but not least, dernier groupe de diplômés en management, bravo à Elisa Wart, à Léa Wasserfallen, à Bastien Verli, Thomas Vincenried, Nadia Yamnaraki, Ralia Zaidi, Alessio Zanola, Loïc Zenrufinan, Daniel Zepeda-Novoa, Bastien Zermatten et Nicolas Zwickert. Félicitations. Je vous propose d'applaudir une nouvelle fois tous les diplômés de bachelor en management. Bravo. Merci beaucoup, professeur Montes. Vous pouvez rejoindre l'audience et je vous propose tout de suite de faire une respiration énergétique en musique grâce à nos deux musiciens en chef, Alberto Malo et Christophe Calpini. Exposing, opposing, with an old man from a showman, all the ice from a snowman, a rolling, leave him broken. I'm flying out of. Logan, on the first thing smoking, I'm open, and the one spoken, I'll leave you with a token. It was all good if you think about it, but it could be bad if you think without it.
Bravo Alberto, Malo et Christophe Calpini. Merci pour cette énergie et ce rythme. Et c'est ça rythme également l'excitation qui monte dans la salle. Et c'est important maintenant particulièrement parce que l'heure est à la récompense des meilleurs diplômés de la volée. Je vous propose tout de suite de regarder la vidéo. Sachez que les lauréates et les lauréats n'auront pas besoin de monter sur scène, mais qui pourront rejoindre la scène à la fin de la cérémonie pour recevoir leur prix. On regarde tout de suite la vidéo. Le prix de faculté pour l'obtention de la meilleure moyenne générale de première année est attribué à Estelle Cordonnier. Le prix de faculté pour l'obtention de la meilleure moyenne générale de deuxième année est attribué à Nicolas Chezeau. Le prix de faculté pour l'obtention de la deuxième meilleure moyenne de bachelor en management est attribué à Romain Rombaud. Le prix de faculté pour l'obtention de la deuxième meilleure moyenne de bachelor en économie politique est attribué à Vincent Barthes. Le prix EY pour les excellents résultats en comptabilité et contrôle est attribué à Laura Loupi. Le prix USPIVO et CVI pour le meilleur résultat au séminaire d'introduction à la gestion immobilière est attribué à Romain Rombaud. Le prix Gustave-Louis Chapuis pour l'obtention de la meilleure moyenne de bachelor en économie politique est attribué à Laura Loupi. Le prix Association des alumni HEC Lausanne pour l'obtention de la meilleure moyenne de bachelor en management est attribué à Antoine Chardonnance. On peut les applaudir une nouvelle fois quand même. Bravo. Bravo à toutes les lauréates et lauréats pour ces prix. Et évidemment, vous avez vu certains diplômés en économie politique ont été récompensés. Et il est l'heure de passer effectivement à ces diplômés et à toute la volée pour accompagner Madame la doyenne dans le processus. J'invite le professeur Jean-Paul Rennes à nous rejoindre sur scène pour honorer le bal des diplômés. Le premier groupe peut s'avancer avec plaisir. Et sur le même principe que tout à l'heure, toutes nos félicitations à Arbi Ametage. Emilien Alessandrini. Milan Alonso. Sacha Aubert. Théo Badan. Richard Barry. Vincent Barthes. Olga Bastia. Félix Baudet. Et Arthur Baudet. Félicitations. Nous poursuivons avec donc les diplômés de bachelor en économie politique en félicitant Benjamin Billard. Mathéo Bourgeois. Nicolas Beauvier. Nelson Cardozo Ferreira. Paolo Cisneros Zapata. Benoît Clerc. Katia Coelho Rodriguez.
William Cohen Dumani. Jean-Pierre Constant. Et Florent Daburon. Félicitations. Félicitations également à Kylian Diannelli, Anne-Charlotte Daris, Mathias Decoulon, Danica Deleuve, Marius Descaillet, Emmanuel Dinochera, Armand Dolio, Simon Dutruy et ce qui sont de toute évidence absents, mais on les félicite quand même, Léo Fassbind et Gaëtan Favre. Félicitations à Charles Feigneux. Anaël Fiva. Alexandro Freguedo Prino. Matteo Frison. Sarah Gaffner. Nathaniel Gazard. Elias Gali. Baptiste Gibrat. Mathieu Gisler. Et Vincent Goël. Bravo à Mohamed Hachmi. Mario Ajassaf. Tony Alacuc. Julien Emerly. Nelson Heinzelmann. Camila Asri Israelova, pardon. Lydia Jacob. Laurent Joliquin. Saihan Jos. Et Sarah Kala. Toutes nos félicitations également à Alan Kenny. Konstantinos Kourlimpinis. Dimitri Krenger. Benjamin Lachavanne. Martin Lalanne. Noémie Lefuel. Pierre Légo. Quentin Léoni. Alexandre Leroy et Lucien Lorenz. Alexandre Leroy, s'il vous plaît, on le félicite. L'important, c'est que vous soyez là. Nous poursuivons avec Arnaud Lorenz.
Anis Louati. Laura Loupi. Luca Mauri. Valentin Meister. Henri Monod. Emmanuel Mortara. Laura Mosca. Jaber Moujaes. Et Dayalen Narsingen. Félicitations aux prochains diplômés du bachelor en économie politique, en commençant par Nada Nassiri. Yanis Ullman. Yuri Palano-Martinez. Eva Panina. Thomas Pedurci. Natalia Peric. Elena Perrou. Maxime Poussard. Nicolas Profumo. Et Antoine Puri. Nous poursuivons avec le prochain groupe de diplômés. Félicitations à Emeline Raymond d'Acuna Castel. Anne-Sophie Ramsey. Lirim Rachiti. Giacomo Ratazzi. Victor Regli. Nina Regolati. Dylan Reis Matos. Thomas Rimlinger. Dylan Roche. Et Navid Samadi. Félicitations. Nous accueillons à présent l'avant-dernier groupe de diplômés en bachelor en économie politique. Félicitations à Charlotte Sauvert. Marie Savoca. Marie Schmidlin. Milan Seifert. Patricia Sowinska. Nils Sperizen. Nolwenn Spiteri. Elliot Tivel. Mohamed Tounsi. Et Agathe Tournu. S'avancent à présent les derniers diplômés. Les derniers par ordre alphabétique, hein, je précise quand même. Diplômé de bachelor en économie politique. Félicitations à Mehdi Triki. Chloé Trocken.
Aurore Tronchet. Paul Vanoy. Sintuyan Vincent. Léane Vota. Mélanie Vuittel. Mathilde Villy. Et Hugo Zweifel. Et on félicite une nouvelle fois tous les diplômés de bachelor en économie politique. Bravo! Bravo! Merci infiniment, professeur Rennes. Vous pouvez regagner l'audience. Et une fois n'est pas coutume, place à la musique pour fêter tous les diplômés de la salle aujourd'hui. Merci beaucoup, Alberto Malo et Christophe Calpini. Vous nous avez porté de votre énergie jusqu'ici. Et chers diplômés, vous avez choisi et vous avez vraiment franchi une grande étape aujourd'hui. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans les hommes et les femmes qui se sont engagés à vous transmettre leurs connaissances, leurs savoirs, mais également vous ont accompagnés dans ce merveilleux voyage. Il est l'heure de remettre un prix très attendu, celui du Best Teacher Awards. Ah, évidemment, on peut se poser la question, qui vote, Marianne? Oui, qui vote? C'est vous, c'est les étudiants et étudiants qui ont voté pour les Best Teachers. Let's discover them. On va regarder. Michel, tu peux lancer la vidéo. Le Best Teacher Award pour la première année de bachelor est attribué à Quentin Galéa et Christine Darbonnet. Le Best Teacher Award pour la deuxième année de bachelor est attribué à Joao Montes et Virginie Lurquin. Le Best Teacher Award pour la troisième année de bachelor est attribué à Solange Guernaouti et Jean-Paul Rennes. Le prix de l'innovation pédagogique pour les programmes de bachelor est attribué à Quentin Galéa. Un grand bravo aux lauréates et aux lauréats de ces prix, mais j'aimerais qu'on prenne le temps aussi de remercier et de féliciter tout le corps professoral d'HEC Lausanne et tout le personnel d'HEC Lausanne qui vous ont accompagné également dans ce voyage, parce qu'on peut les applaudir.
Alors évidemment, cette grande étape franchie aujourd'hui par vous toutes et tous, ce n'est pas pour autant que HEC vous lâche ou que vous lâchez HEC Lausanne, Marianne. Oui, pas du tout. Donc, je ne sais pas si vous êtes conscient du fait que vous avez une relation à vie avec nous. Et cette relation, ça vous effraie, je sais, mais ce n'est pas grave. Mais cette relation se fait à travers du fait que, à partir d'aujourd'hui, vous êtes automatiquement alumni de HEC Lausanne. Et pour vous expliquer en quoi ça consiste et comment ça fonctionne, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia Facio, la directrice de l'Association des alumni de HEC Lausanne. Merci de nous joindre sur scène. Merci Maya. En effet, que vous continuiez avec un master HEC Lausanne ou pas, votre relation avec HEC ne s'est pas arrêtée le jour où vous avez enfin reçu ce diplôme dans votre boîte aux lettres. Il ne s'arrête ni aujourd'hui, ni demain. Comme Marianne l'a dit, vous faites maintenant partie de l'association des alumni HEC Lausanne et je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue. Vous rejoignez un réseau de plus de 14 000 gradués dans 70 pays à travers le monde. Profitez de toutes les opportunités que nous vous amenons. Utilisez nos services, participez à nos activités, que ce soit des conférences, des after-work, des visites d'entreprise, des soirées festives. Oui, il y en a aussi, hein, ce n'est pas que professionnel. Tous les autres événements qui vous permettent de vous revoir, de revenir sur le campus et de rencontrer d'autres alumni. Et ce n'est pas qu'à Lausanne. Nous avons des clubs à Genève, Zurich, Bâle, Londres, Paris, Luxembourg, Singapour, New York. You name it, on y est. Donc profitez de ce réseau et comme Marianne l'a dit, the future is yours, le futur vous appartient. Donc engagez-vous. Investissez-vous aussi dans ce réseau, dans cette association. Nous existons pour vous, mais aussi grâce à vous. Donc prenez votre destin en main. Moi, je vous félicite. Je me réjouis de vous voir lors de l'apéro. On y est presque, hein, je vous rassure. Où on a un stand, on sera ravis de vous voir. Et félicitations pour votre diplôme. Vous l'avez bien mérité, vous pouvez être fiers. Les parents peuvent également être fiers. Profitez maintenant, prenez votre envol, the future is yours, le destin vous appartient, faites-en que du bien et je me réjouis de vous revoir tout bientôt. Bravo. Bravo. Effectivement. Merci beaucoup Laetitia, merci Marianne également. Nous arrivons bientôt, comme l'a dit Laetitia, à l'apéro, enfin pas tout de suite. D'abord j'ai quelques informations à vous transmettre quand même. Vous êtes effectivement convié en apéritif, mais où est-il ? Il se trouve dans le hall du bâtiment Amphipole, donc c'est véritablement à gauche, en sortant de cette salle, vous allez au bout et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Les liens vers les galeries photos, le lien vers la vidéo de cette cérémonie vous seront envoyés par l'association des alumni vers le début du mois de décembre, donc envoyés à tous les diplômés de la volée. Pour toutes les personnes qui figurent dans les vidéos qui ont été diffusées, à savoir les lauréates et les lauréats diplômés, les donateurs et les donatrices, les best teachers, je vous remercie d'avance, à la fin de la cérémonie, de vous réunir ici sur la gauche afin qu'on puisse vous prendre en photo et surtout qu'on puisse vous remettre les prix physiques qui vous reviennent. À présent, j'aimerais vous remercier, vous, chers diplômés, j'aimerais remercier vos familles et vos amis d'avoir été présentes et présents. J'aimerais remercier tous les professeurs et les membres du personnel HEC Lausanne. J'aimerais remercier évidemment Madame la doyenne, Marianne Schmidt-Mast, pour avoir mené le chemin jusqu'ici. J'aimerais également remercier les musiciens qui nous ont donné toute l'énergie dont nous avions besoin aujourd'hui. Et j'aimerais particulièrement remercier les organisateurs et les organisatrices, ainsi que tout le personnel technique, sans qui cette cérémonie n'aurait pas pu avoir lieu. Donc j'aimerais déjà pouvoir les applaudir toutes et tous, s'il vous plaît. Merci.
Mais parce qu'aujourd'hui est un jour de fête, un jour de célébration, nous aimerions marquer cette célébration par un dernier geste symbolique. Parce que Marianne l'a dit au départ dans son discours, « Sky is the limit ». Il n'y a que de limite, le ciel. Nous allons donc procéder à mon top départ, pas avant, s'il vous plaît, à un lancer de chapeau. Pour cela, j'aimerais que tous les professeurs présents dans la salle et le personnel HEC Lausanne, présent également, nous rejoignent sur scène. Vous pouvez vous munir d'un chapeau qui est distribué ici. Donc vous pouvez nous rejoindre maintenant. Vous pouvez allumer peut-être un tout petit peu la lumière pour que vous vous... Voilà. N'hésitez pas à vous répartir sur la scène. Voilà. Et j'aimerais à présent, si c'est possible, qu'on allume un peu la lumière dans la salle pour que je puisse et que nous puissions vous voir. C'est merveilleux. Et j'ai demandé à tous les diplômés de vous lever, s'il vous plaît. Nous allons procéder à un décompte, donc j'aimerais bien ne pas entendre que ma voix en résonance dans cet auditoire. Et à la fin du décompte, vous pourrez lancer votre chapeau au ciel. Je pense que nous sommes prêts. Michel, tu peux lancer la vidéo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Félicitations! Ouais, okay, c'est pas...